Et la française, la championne Surya Bonaly. Et Surya, 5 fois championne d'Europe, qui avait commencé, il faut s'en souvenir, sa carrière internationale à Paris-Bercy, c'était en 1989 pour ses premiers championnats du monde, qui revient une fois de plus de cette antre magique de la classe française à Paris, et elle va de nouveau ravir son public et vous ravir, vous, devant vos écrans, admirer encore une fois la toujours éblouissante Surya Bonaly. Surya Bonaly, et le public de Bercy a priori l'apprécie puisqu'il se lève. Et vous remarquez qu'elle a complètement joué le jeu, parce que c'est quasiment la seule qui a suivi le règlement proposé à la lettre, avec dès l'entrée une combinaison avec deux triples sauts différents, un tout petit accro sur le troisième triple saut, mais encore fallait-il le tenter, avec deux backflips arrière, en voici un d'ailleurs, arrivé pied décalé, c'est la seule au monde, marqué un pied puis l'autre à l'arrivée, c'est la seule
jeune fille, pratiquement même parmi les patineurs, ils ont beaucoup de mal. Et puis faut-il parler de professionnalisme pour Surya Bonaly, qui de tout temps, depuis toujours, nous a habitués à l'excellence. 109.4, et puis Gilles, on l'a pas dit, mais ces compétitions professionnelles, en tout cas celle-ci, 26 ans de moyenne d'âge, rien à voir avec le passé, et donc plus de difficultés. Beaucoup de difficultés ce soir. Des triples axels, des triples sauts pour les filles, trois triples sauts pour les filles, c'est ce que vous verrez sur un championnat d'Europe, c'est la même chose. Et d'ailleurs, Surya Bonaly, 5 fois championne d'Europe, nous allons maintenant voir Markova, habituée aussi des podiums européens et mondiaux, c'est dire si ces jeunes filles et tous les autres participants que nous avons vus font partie indéniablement du quota mondial du patinage. Alors, 109.4 à battre pour la candidate du reste du monde, Olga Markova.